Hello, hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc on se retrouve pour une fois, je suis pas dans la chambre d'hôtel mais dans la voiture et c'est pas moi qui conduis. C'est Marie. Coucou. Donc là on va à la plage, on va à la plage de Marie Mesquida. Voilà, qui se situe sur le bout de Majorque. Donc aujourd'hui en fait le programme c'est plage, mais attention ce n'est pas qu'une seule plage, c'est masse de plages. Donc on va voir beaucoup de plages, je sais pas exactement combien, on n'a pas défini le nombre. Sans vous mentir, on en a une bonne liste et on va voir ce que ça va donner. Là c'est la première mais on va enchaîner. Donc aujourd'hui ça va pas être une journée de tout repos, mine de rien, même si on fait que de la plage, parce qu'on va visiter pas mal de choses. Donc je vous emmène avec nous pour notre journée Playa à Majorque. Let's go. Juste avant, Marie, le nom de la plage d'avant Mesquida. Ouais, c'est ça. Petite interrogation. Et donc elle était juste magnifique. L'eau était mais claire de fou. On se serait cru dans les Caraïbes tellement qu'elle était belle. Donc là, on monte en gamme au niveau des plages un petit peu tous les jours. J'ai oublié le nom de la prochaine plage. Magraner. Voilà, donc là on va aller voir la plage de Magraner. Normalement c'est pas une plage de sable, c'est une plage de galets. Ouais. Donc je sais pas trop si on va y rester, on va voir. Sinon on va prendre quelques photos et on va enchaîner sur notre plage. En tout cas, je vous emmène avec nous. On se retrouve, on n'est pas du tout à la plage dont on vous a parlé. Là on est à Cala Domingo, c'est ça? Domingo. Parce qu'en fait c'était pas très pratique pour aller à la première plage. Du coup on a changé nos plans et on est allé directement du coup à Cala Domingo. Donc elle est très belle. Dans la voiture comme toujours, avec toujours Marie qui conduit. Aujourd'hui je laisse les commandes de Marie pour la voiture. Du coup la deuxième plage qu'on a vue était sublime aussi. Et là on se dirige vers Marie Cala de Mitrana. Voilà, donc c'est la dernière plage de la journée qu'on va faire. Ouais. Parce qu'il est déjà 4h moins le quart. 4h moins le quart, donc du coup bah, mine de rien le temps d'y aller on a 20 minutes, après on a une demi-heure de marche, puis après on a 40 minutes pour aller jusqu'à l'hôtel, donc voilà. Et puis après on va quand même aller voir la plage qui est à côté de l'hôtel. Donc ce sera quand même une grosse journée parce qu'on aura fait 3 plages où on se sera baigné, mais 4, on aura vu 4 plages. Donc voilà en résumé. De toute façon on vous fera un bilan demain quand on sera à l'aéroport un petit peu de Majorque et de ce qu'on a pensé. On est en train de marcher comme vous pouvez le voir sur une petite route de campagne avec Marie pour aller à la plage. Et combien Marie de temps? Elle a un quart d'heure encore. Un petit quart d'heure de marche. Je suis en tong hein, donc autant vous dire que là on va y aller tranquille parce que ça glisse. Mais la plage a l'air juste ouf. J'espère qu'elle est aussi belle sur internet qu'en vrai. Du coup on va vous montrer ça. Alors le chemin pour aller à la plage est comment dire accès... assez compliqué et on manque de se casser la figure, mais on va y arriver tranquillement. Voilà, en plus comme je disais tout à l'heure en claquette, c'est un peu casse-gueule. À l'hôtel, je vais vous faire un room tour tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi ressemble notre hôtel. On a vu sur une petite piscine, ce qui est très sympa. Donc la dernière plage que vous avez vue était très mignonne, mais de mon point de vue le fait qu'elle soit privatisée, qu'il y ait des villas en fait qui est vue sur la plage et qu'il y ait plein de bateaux en fond de calanques, c'est, ça gâche le truc, mais sinon elle est très belle. Là nous sommes Marie à Sant Jordi, voilà. Et là nous allons du coup prendre une petite douche parce que le fait d'avoir fait 3 plages, on est rempli de sel, du coup on colle et c'est pas spécialement agréable, du coup on va prendre une petite douche et après on va direction le port,
parce qu'on a fait assez de sport dans la mer en nageant. Donc on va direction le port pour aller manger parce qu'on a faim. Allez, moi je vous retrouve tout à l'heure au resto.